juste faire ce petit test, qui est un test de réaction. Chaque matin, il capture des oiseaux dans des grands filets. Il commence par regarder s'ils se débattent. Donc c'est un oiseau qui est assez calme. Alors cette tonicité nous permet de mesurer le comportement de l'oiseau et de voir un peu son état de santé. Plus un oiseau va bouger, plus il va être actif, plus il va se défendre à notre approche et plus il a de l'énergie à investir dedans. Puis il les emmène pour un examen de santé complet. Délicatement, les scientifiques les baguent. 12 et 12, 2. Les mesurent. 19, 5. Les pèsent. Ils analysent aussi leur sang et cherchent les parasites. On a là aussi. Des tests effectués sur plus d'un millier d'oiseaux qui nichent près des champs cultivés, certains en agriculture biologique, d'autres en agriculture conventionnelle. Pour toutes les espèces qu'on capture, quand on regarde ces marqueurs de comportement, eh bien en fait, on s'aperçoit que les oiseaux qu'on capture dans les haies entourées d'agriculture conventionnelle sont beaucoup moins toniques, se débattent moins, chantent moins, crient moins, réagissent moins à l'arrivée de l'expérimentateur au filet par rapport à quasiment toutes les espèces qu'on capture en agriculture biologique. Des oiseaux en moins bonne santé et beaucoup moins abondants. En moyenne, les populations ont réduit d'un tiers en 15 ans. Certaines, comme les perdrix, ont presque disparu. Si les oiseaux meurent dans les plaines agricoles, c'est entre autres parce qu'ils n'ont plus assez d'insectes pour se nourrir. Vincent Bretagnol étudie ici les impacts de l'utilisation des pesticides et des engrais sur le vivant. Il nous emmène d'abord dans cette prairie traitée. C'est un désert. C'est un désert. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on fait du piégeage d'insectes dans une parcelle comme ça, on ne capture rien. À quelques kilomètres de là, voici une autre prairie aussi destinée à produire du fourrage, mais en agriculture biologique. De nombreuses fleurs, des insectes. La différence est flagrante, mais il reste peu de prairies de ce type. L'équipe de chercheurs compte aussi les populations d'insectes. Dans la région, 95% des criquets ont disparu et 85% de certains coléoptères. Les papillons, ils ont perdu, je le relâche, ils ont perdu 95% de leur effectif, les papillons diurnes en Europe. Les herbicides éliminent la flore, donc toutes ces espèces de fleurs sauvages sont éliminées des champs conventionnels, et les insecticides éliminent les insectes. Pourtant ici, pas d'opposition entre ces scientifiques et les agriculteurs qui leur ouvrent leurs champs pour leurs études. Depuis 30 ans, ils travaillent ensemble, car dans ce laboratoire à ciel ouvert de 450 km², les scientifiques analysent aussi les rendements agricoles pour diminuer les pesticides sans mettre en danger les récoltes. Ça a été pollinisé jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, ça veut dire que vous avez eu beaucoup de pollinisateurs. Sur une parcelle test de colza, Laurent Rousseau, en agriculture conventionnelle, a décidé de réduire les produits qu'il utilisait. De l'azote, de l'engrais, après les phytosanitaires, insecticides et fongicides. Qui ont été faits, que la dose a été divisée par deux. J'essaierai l'année prochaine de l'appliquer sur les autres parcelles, sur le tout. Les études ici ont montré que les revenus des agriculteurs n'avaient pas diminué, au contraire. En baissant les pesticides, on fait venir des abeilles. Ces abeilles pollinisent le colza de manière très efficace et au final augmentent les rendements. Et du coup, d'un point de vue marge, donc ce que va gagner l'agriculteur, on peut avoir des différences qui vont jusqu'à 160 euros par hectare et par an. Ce qui est énorme, c'est tout à fait considérable. Comprendre et freiner l'effondrement de la biodiversité, tout en assurant une production agricole, l'objectif de ces recherches. Dans la zone d'étude, 20% d'agriculteurs sont aujourd'hui passés en bio, près du double de la moyenne nationale.